Bravo, Evan! Alors, bravo, ma princesse, pour cette belle présentation. Moi, je suis fière de toi. Alors, comme nous l'a dit Evan, effectivement, pour le gâteau princesse, il nous faut un gâteau déjà recouvert de sa ganache. Il nous faut de la pâte à sucre, des petites perles argentées, un rouleau, un moule princesse. Nous, tu peux le montrer. Nous, on va se servir que de la porte. Et oui, Sky. Sky aussi, elle veut participer. Et donc, un petit moule perle. Des pâtes à sucre, on va participer. Exactement. Alors, surtout, ce qu'il nous faut pour un gâteau princesse, c'est une princesse. Une princesse. Alors, attention, on y va. Abracadabra, le tuto. Alors, après avoir recouvert nos gâteaux de pâte à sucre blanche, on va passer à la décoration avec un moule porte et un autre moule effet pierre, voilà, pour faire une tour de château. Je dépose mes petites perles autour de ma porte, les petites perles argentées, et je vais passer un petit coup d'aérographe rose pour donner un petit peu de relief à mon gâteau tout en bas. Je fais pareil sur mon deuxième étage et je fais pareil sur mon troisième. Je commence à monter mon gâteau de trois étages. Donc là, on a une belle petite tour. Je viens déposer une petite décoration qui va servir de rempart. Effet dentelle. Donc moi, j'ai choisi la couleur violette. Donc après, je vais choisir un ruban violet que je viens déposer autour de mon gâteau pour bien le finir. Et après, nous allons passer aux princesses. Donc, j'ai découpé la fée clochette, réponse, la belle, Cendrillon, Jasmine, Aurore, Ariel et bien sûr la reine des neiges. Je les découpe en rond. Et je fais des sortes de petites fenêtres dans les tours avec mes princesses. Je rajoute un petit nœud en dessous, bien sûr, princesse oblige. Les petits nœuds violets assortis. Je prends une lamelle que je viens resserrer. Et je prends une autre toute petite lamelle que je viens poser au milieu. Voilà, assez facile de faire un petit nœud. Je viens le poser en dessous de ma princesse, en dessous de toutes les princesses. Et je passe à ma fenêtre. Pour la fenêtre, c'est simple, j'ai un petit moule perle. Moi, je vous ai fait des perles blanches. Je viens prendre mes perles délicatement et je vais les déposer autour de ma princesse délicatement. Et voilà, mon gâteau est pratiquement terminé. Il me reste plus qu'à mettre une petite fleur au dessus et voilà, mon gâteau de princesse est prêt à être dégusté. Bisous les princesses. Voilà, il ne nous reste plus qu'à dire abonnez-vous si le tuto vous a plu pour qu'il y en ait plein d'autres et mettez des pouces bleus. Abonnez-vous et mettez plein de likes. Et on vous fait des gros bisous. Bisous. Merci ma princesse d'amour.